toujours dans le but de vous fournir des informations sur tout le sujet qui touche à notre quotidien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de praxis. Ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce que praxis et quelle est son importance dans l'Église universelle qui est donc le corps du Christ. Mais avant tout, nous allons ensemble découvrir qui est notre invité de ce jour. Bienvenue au pasteur Baron Bala. Le pasteur Baron Bala est fondateur responsable de l'église Bridge of Grace à Seattle, Washington, America. Il est également formateur de la nouvelle génération sur connaître Christ, d'une particularité de nos jours sur la christologie. Et sa mission est de lever une génération des hommes et des femmes qui ont l'audacité d'influencer la société, le monde, les villes et tout le continent africain avec l'évangile de la suprématie de Christ. Car de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ est la révélation topique de la gloire de Dieu. Mademoiselle, madame, messieurs, chers téléspectateurs et à tous les internautes, accueillons chaleureusement le pasteur Baron Bala. Bienvenue dames et messieurs, bienvenue à Up Close avec Grâce, Ko Moussa, bienvenue pasteur Baron. Bienvenue ma sœur Grâce, c'est un plaisir de me retrouver ici, merci pour le privilège. C'est un honneur pour moi. Alors comment vous portez déjà? Non, Dieu fait grâce, on se porte très bien, et on est là. Mm-hmm. Nous sommes déjà très curieux de savoir qu'est-ce que praxis. Ben oui, praxis est une école biblique et théologique que nous avons mise sur pied dans le but d'appeler l'Église à la réformation, c'est-à-dire au retour à la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ, parce que cela semble disparaître à nos jours de l'Église. Praxis, une école biblique. Que vous, quand vous parlez de vous, vous parlez donc d'une seule personne ou bien c'est un groupe de personnes qui consistent dans Praxis? Oui, je dis non d'abord en faisant allusion à moi-même, parce que c'est une vision qui a émergé de mon cœur, que le Seigneur a planté dans mon cœur, je peux dire, qui est partie d'une observation, qui émerge d'une observation en fait que j'ai faite dans l'Église. J'ai constaté qu'aujourd'hui l'Église est de plus en plus en train de se distancer, de s'écarter de la pureté de l'Évangile, de ses contours tels que enseignés dans la Bible, et est en train de verser dans plusieurs distorsions de l'Évangile, et de ce fait, en train donc de s'éloigner du christianisme. Il suffit tout simplement d'écouter les sermons dans les églises ou carrément sur YouTube, sur les médias sociaux, pour vous rendre compte que le plus grand absent de prédication, c'est la personne de Jésus. On utilise son nom, certes, mais lui-même, on ne le présente pas beaucoup. Alors, raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur, et ainsi j'ai regroupé autour de moi un certain nombre de frères et de sœurs, parce que je ne peux pas le faire seul. Exactement. Donc j'ai besoin des autres. Exactement. Alors là, on pourrait dire Praxis se présente comme une vision, une mission ou bien une vocation. Je dirais toutes les trois. C'est une vision, parce que nous sommes en train de voir, au regard de ce qui est en train de se passer maintenant, des déviations et des distorsions qui sont véhiculées dans l'Église, telles que l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'évangile du développement personnel. Vous allez à l'Église, vous écoutez un sermon comme si c'était vraiment un cours de management, où Jésus lui-même est absent du sermon, sinon son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors, nous avons cette vision-là de retourner à la pureté de l'Évangile et donc à la vie de l'Église telle que Jésus l'a imaginée. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Exactement. C'est son Église à lui, donc c'est sa propriété. Celui qui en est le propriété, celui qui en est le centre. C'est-à-dire que chaque fois que les chrétiens viennent à l'Église, ils doivent entendre parler de Jésus. Et non en train de parler d'eux-mêmes et de leur confort, de leur prospérité, au moyen de Jésus. Il y a une nuance de taille là. Exactement. Donc c'est une vision et en même temps une mission,
Parce qu'il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est une mission. Et cette mission que nous nous sommes assignée, c'est celle d'appeler l'Église à la pureté de l'Évangile, aux enseignements de Christ lui-même. Et une vocation, naturellement, parce que là, c'est un appel que Dieu a placé sur moi. Okay. Et sur ceux-là aussi qui s'identifient au travers de ce travail-là. Okay. Et qui viennent, ça... Se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions mener cette œuvre-là. Voilà. Praxis, c'est bien évidemment une vision pour le pasteur Baron, parce que la Bible, l'Éternel nous recommande d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Mais la question est de savoir, pasteur Baron, est-ce que pendant ce temps où le monde est basculé et bousculé, où la pandémie fait rage, où même nous allons parler même de problèmes économiques qui prennent place, est-ce que vous trouvez que c'est le bon moment de présenter Praxis ? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Moi, je crois que c'est vraiment comme, qui dirait, une passe en or pour nous, Praxis. Pourquoi je dis ça ? Parce que, vous savez, d'abord, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il peut s'avérer qu'il y ait des hommes qui ont tripoté à gauche, à droite, pour que cette soi-disant pandémie soit déclarée ainsi. Mais ce que nous avons remarqué durant la pandémie, c'est d'abord la peur qui a envahi les enfants de Dieu. Yeah. Et c'était ça le premier élément. Et du coup, il y a eu des prières qui étaient fusillées dans toutes les directions, des jeûnes et des prières pour pouvoir demander à ce que la chose s'arrête, etc. Et Dieu a écouté toutes ces prières-là. Mais au fond, ce que la pandémie est venue aussi révéler, c'est aussi la vanité de la vie. Exactement. Oui, c'est venu renforcer. Ça n'a pas révélé ça, mais ça a renforcé la conscience de cette réalité-là. Mmh. La vanité et la brièveté de la vie. Quelqu'un qui attrape une maladie et en très peu de temps, ça s'aggrave et puis il meurt. Et tout le monde avait compris tout de suite après, tout de suite durant la pandémie, que c'est le temps de se tourner vers Dieu et que la vie allait au-delà de ce qui nous entourait et du matérialisme. Exactement. Et malheureusement, ce matérialisme-là a malheureusement fait l'objet de la prédication à l'église. Là, Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner votre Mercedes. Les gens ont laissé les Mercedes dans les garages, plus personne ne sortait, le mall était fermé, et les restaurants même étaient fermés, tout le monde était résigné à la maison parce que, écoutez, il y a la pandémie, il y a, y a le virus qui est en train de vrombir à l'extérieur et qui fait la terreur. Et du coup, on s'est rendu compte que on a besoin d'une autre articulation du message chrétien. C'est-à-dire le message chrétien qui s'éloigne de plus en plus des préoccupations matérielles. Et que plutôt, on devrait s'occuper de ce qui constitue le christianisme au fond, qui est le besoin de connaître Dieu et son Fils. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Il a dit... Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, exactement, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Exactement. Et donc, c'est pour dire que nous, à Praxis, la pandémie est venue nous aider. Est venue vraiment nous aider à faire entendre notre voix, parce que on disait aux gens, hey, écoutez, nous nous sommes écartés de l'évangile, nous sommes détournés, on ne parle que des démons, on ne parle que de l'argent, du matériel. Dieu, viens à Dieu, il va te donner le mariage, il va te donner la maison, la voiture, le travail, les voyages et tout cela. Et du coup, plus personne ne veut venir en Europe ou aux États-Unis. Je crois que pendant la pandémie, du temps où particulièrement en Italie, les morts, c'est compté par par milliers. Je pense qu'il n'y a pas eu un prophète ou un pasteur qui a promis aux gens d'aller en Italie. Vous voyez ? Exactement. Du coup, on a compris que la bénédiction, c'est finalement être en union avec Christ, le connaître et vivre pour lui. De telle sorte que lorsque l'environnement change, lorsque nos circonstances changent, notre foi reste inébranlable et reste unie à ce Christ. Et c'est cela que nous enseignons à Praxis. Nous disons à l'Église,
retournons à la pureté de l'évangile. Nous nous en sommes écartés. Exactement. Alors, Praxis, c'est une passe sonore, Amine, je dirais la pandémie, dirais-je. C'est une passe sonore d'ailleurs pour Praxis parce que nous devons, ils ont rappelé, ils nous rappellent tous que nous devons retourner au premier amour qui est donc Christ. Alors, cela est tellement profitable aux chrétiens parce que, que dire de nos chrétiens, pasteur? Est-ce que Praxis est seulement profitable sur ce point aux chrétiens? Parce que c'est les chrétiens qui connaissent le premier amour, c'est le chrétien qui connaissent le Christ et ces non-chrétiens. Qu'est-ce que Praxis représente pour le non-chrétien alors? D'abord, Praxis, on doit le dire, est d'abord une œuvre qui a pour but d'atteindre d'abord le chrétien. D'abord le chrétien, là nous nous situons un peu dans la logique de l'Apocalypse, c'est-à-dire nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, où on voit l'ange, le Seigneur demander, donner des messages aux différentes églises de l'Asie. Différentes églises de l'Asie, l'église d'Éphèse, les Sardoines, l'église de Philadelphie, etc. Ces messages ont pour, avaient pour but de faire revenir l'église à une communion saine et profonde avec le Seigneur. Parce que l'église s'en était écartée. Parce que nous disons que notre objectif final, c'est, un, c'est la reformation de l'Église. C'est-à-dire rappeler l'Église à retourner à son Seigneur. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a dit à l'Église de Fès, je connais ton travail, je connais ses efforts, je connais que tu ne supportes pas les œuvres des Nicolaïtes, mais je ceci contre toi. C'est que tu as abandonné ton, ton premier amour. L'amour qui portait sur le Seigneur. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit pas, souviens-toi où tu es tombé. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, à partir de où? Où est-ce que tu étais avant de tomber? Vous voyez, tu étais en union avec le Seigneur. Tu étais en amour avec le Seigneur. Tu étais fidèle à la parole. Tu l'aimais la parole. Tu n'aimais pas le Seigneur pour avoir quelque chose. Tu aimais le Seigneur comme une fin. Comme une fin, comme un moyen et une fin. Mais aujourd'hui, Jésus est devenu un moyen vers autre chose qu'on désire le plus. Et du coup, cette autre chose-là, que ce soit qu'il s'agisse du mariage, du voyage, et même de l'onction dans le ministère, ça devient une idole. Une idole et qui surplombe la, la gloire de Christ. On désire ça pour Christ. Donc du coup, Christ devient un garçon de course. Vraiment. Pour nous trouver ces choses-là que nous, nous aimons bien. Nous voulons ceci. Jésus, je veux cela. Et voilà. Puis, Alors là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et nous disons, quand le chrétien retourne à Christ, alors la deuxième, la conséquence directe de cette reformation-là, de ce retour au Seigneur, c'est qu'il va porter beaucoup de fruits. Il a dit, si vous demeurez en ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits, demandez ce que vous voudriez. Donc, nous allons voir que les croyants qui vont nous observer, les non-croyants, voulais-je dire, les non-croyants qui vont nous observer vont dire, oh, je veux être comme Grâce. Pourquoi? Parce qu'elle aime le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement nous regarder comme certains prédicateurs ont dit, bah, écoutez, les enfants de Dieu doivent être bénis aussi pour que les païens sachent que nous sommes aussi des enfants de roi de roi et que nous sommes bénis. Non, ce n'est pas la bénédiction qui attire les, les non-croyants à Christ. Pourquoi? Mais parce que si tel est le cas, certains païens vont d'ailleurs nous dire, vous savez quoi? Vous allez chez Jésus pour avoir le mariage, le travail, la bénédiction. Mais nous, nous avons ça, ça sans Jésus. Donc, c'est votre Jésus est sans objet pour nous. Il n'a pas d'utilité. Pourquoi? Parce que nous avons déjà ces choses-là. Il y a des païens qui n'ont pas de problème dans leur foyer. Ils n'ont pas de, ils ne font pas de mauvais songes. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils se réveillent un bon matin, il y a déjà tout sur la table. Il y a tout sur la table. Ils ont un compte en bancaire garni. Vraiment. Et des moyens. Ils ne sont pas maladifs. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? Venez à Jésus, vous allez avoir quoi? Oh, vous allez aller au ciel. Vous voyez? Vous allez, vous irez au ciel. En fait, nous ne venons pas à Jésus pour aller au ciel. Nous venons à Jésus parce que nous l'aimons
et parce qu'il est la vie. Exactement. Peu importe là où Jésus sera. Amen. Qu'il soit en enfer, qu'il soit au ciel, qu'il soit n'importe où. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a offert. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, un jeune homme riche qui approchait Jésus un jour, qui dit, mm-hmm. Maître, que dois-je faire pour entrer au ciel? Il dit, va obéir aux lois. Il dit, oh, ça j'ai déjà fait. Le Seigneur lui dit, va maintenant, il te reste une seule chose, va vendre tout ce que tu possèdes et donne ça aux pauvres et ensuite viens et suis-moi. Il a refusé, ma sœur Grâce, vous imaginez. Il a refusé de suivre Jésus alors qu'il voulait aller au ciel. Alors on se demande de quel ciel s'agit-il. On comprend tout de suite que non, bon, il était riche sur la terre parce qu'il priait beaucoup et que maintenant il voulait s'assurer qu'en allant... Il gardera sa richesse pour l'éternité. Sa richesse et le confort. De l'autre côté, il aura aussi une belle maison au ciel. Donc c'était vraiment pas pour Jésus. C'était dommage. C'était pour lui-même. Donc c'est ça un peu cette sorte de religion qu'on a à l'église aujourd'hui. Une religion que j'appelle anthropocentrique, c'est-à-dire anthropos qui veut dire homme, centré sur l'homme. Ou... qui ressemble à l'économie de marché. Vous savez, au centre de l'activité économique, il y a le consommateur. Donc l'économie suggère que si vous voulez, en tant que business person, vous voulez faire prospérer dans vos affaires, trouvez quelque chose à vendre qui plaise au consommateur. Au consommateur, exactement. Parce que le client est roi. Exactement. Alors si le client n'est pas d'accord, si le client n'est pas satisfait... On change de stratégie, on doit toujours trouver comment lui plaire. Malheureusement, c'est ce qui se passe à l'église. Le client semble être le chrétien, qui est au centre de l'église. On dit non, il a des problèmes de démons. Il faut un enseignement sur les démons. On dit non, il a un problème de travail. Il faut un enseignement sur le travail. Alors, du coup... ce que l'on obtient, ce qu'on commence à faire, ce n'est plus le christianisme. Le christianisme a pour centre Christ et son œuvre. Donc quand on vient à l'église, c'est pour entendre parler de Jésus et devenir comme Jésus. Exactement. Exactement, alors il y a à boire, à manger, hein. Je veux directement savoir, donc si nous partons dans ces filles d'idées, nous allons dire que praxis, c'est un apprentissage perpétuel, alors. Oui, praxis, d'abord c'est une école. C'est une école, d'abord en tant que telle, nous avons un programme. Un programme jusque-là de 2 ans. Praxis est implanté à Kinshasa et puis à Brazzaville. Et nous avons 6 modules de formation. Quand vous venez, vous suivez 6 modules et chaque module a 4 cours. Et nous le donnons avec... nous donnons ce cours-là, un module par trimestre. Donc vous étudiez pendant un trimestre, vous étudiez pendant 4 semaines et vous allez en vacances. Après 3 mois, vous revenez encore. Parce que nous voulons atteindre un plus grand nombre et surtout, et la plupart des gens n'ont pas le temps d'aller s'asseoir dans une école biblique traditionnelle où on doit aller à l'école du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Alors du coup, ils ont le travail, ils ont les études, ils sont occupés à beaucoup de choses. Alors nous avons dit, il faut un programme flexible. Et ce qui veut dire pour nous, nous ne vous invitons pas à la théologie, nous amenons la théologie vers chez vous. Dans votre vie. Nous insérons ça dans votre vie. Soit vous pouvez venir en présentiel, c'est-à-dire sur place, en personne, pour suivre les cours, ou vous pouvez suivre le cours en ligne. Exactement. Vous voyez, 2 ans, vous terminez le cours. Mais pour nous, comme nous disons à Praxis, je suis Praxis. Je suis Praxis, c'est-à-dire je suis christocentrique. Centré sur Christ. L'œuvre du Christ. Et ça, c'est pour la vie. Et ça, c'est pour la vie. Donc, à cet égard-là, on peut dire que Praxis, c'est pour la vie, quoi. Parce que nous formons une famille et nous restons connectés et nous continuons à servir dans cette perspective-là. Vraiment, j'étais curieuse à savoir si c'était juste pour un temps ou bien c'était pour la vie. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que nous voyons dans la Bible, Christ a fait 3 ans pour enseigner ses disciples. Et directement, je me pose la question, est-ce que Praxis, c'est juste pour une certaine durée ou bien nous allons aller jusqu'à l'éternité? Non, ça ne sera pas jusqu'à l'éternité, bien entendu, ça sera jusqu'à que Christ revienne. Parce que l'Église aura toujours besoin de la réformation. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons cette propension à l'erreur et à nous écarter de la bonne voie. Alors nous avons toujours besoin de l'aide du Seigneur
pour revenir sur le droit chemin. Exactement. Même moi, le pasteur Baron, j'ai besoin de praxis. Exactement. Donc, j'ai besoin de la reformation. Exactement. Parce que je peux toujours me tromper. Yeah. Yeah. Nous avons besoin de praxis jusqu'au retour du Christ. Nous n'allons jamais nous fatiguer parce que c'est Christ même l'objet de toute chose. Nous devons nous centrer à la personne du Christ. Alors, pasteur Baron, j'aimerais bien savoir, j'ai vu dans... Vous avez 4 modules, c'est ça déjà? Non, nous avons 6 modules avec à raison de 4 cours par module. Oh, 4 cours par module, je crois. Peut-être je suis mal renseignée là-dessus. Non, j'ai vu, parce que j'ai vu la christologie et le mélitique. Ouais. Et j'ai vu il y a d'autres. Et je m'étais vraiment surtout centrée sur la christologie et l'homélitique. Parce que vous avez mis « et », donc c'est-à-dire que ça part ensemble. Tout à fait, tout ça à part fait. Ensemble. Et par là, j'aimerais savoir pourquoi vous avez mis ça ensemble. Quelle est cette relation qui est comme au centre, qui unit ces deux sciences. Qu'est-ce qui est à l'intersection de ces deux sciences, au fait? Parce que j'ai vu, vous avez mis christologie et homélitique. Et je me suis dit, pourquoi et homélitique? Pourquoi vous rassemblez cela? Vous savez, le cours Christologie et homilétique, c'est un cours que nous avons confectionné sur base d'une observation que nous avons faite dans l'Église, de manière générale. Okay. Et cette observation est que, de plus en plus aujourd'hui, quand vous écoutez les sermons dans les églises, et même online, sur YouTube, etc., et vous allez constater que Christ ne constitue pas le centre du sermon, ni l'objectif de sermon. Okay. Il est essentiellement considéré comme un moyen, tout simplement, pour offrir aux membres qui sont devenus en quelque sorte des clients, une articulation de la parole de Dieu, une présentation de la parole de Dieu, qui a pour but essentiellement de rencontrer leurs besoins maintenant. Parce que aujourd'hui, il faut dire aussi que l'Église est sous une pression, quoi. Nos églises sont sous pression. Parce que vous vous dites, si on ne satisfait pas ces gens, ils vont aller ailleurs. Ils vont partir, ils vont aller ailleurs. Alors, et c'est ça le danger. Alors, ce cours-là est confectionné de manière à répondre à cette crise-là, qui consiste à retourner Christ au centre de la prédication. Donc, l'homilétique veut dire l'art ou la science de la prédication. De la prédication. Malheureusement, il y a beaucoup qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui, qui n'ont jamais eu l'occasion de s'asseoir sur le banc et apprendre d'une manière structurée et classique pour être formés à la prédication. Ils ont rêvé de Jésus. Ils ont rêvé des démons. Et bien, finalement, ils ont été à l'église pendant un temps. Ils prient beaucoup. Ils lisent beaucoup. Il est devenu pasteur. Il y en a qui se sont autoproclamés purement. Pasteur, prophète, évangéliste, que sais-je encore. Alors, ils sont de ces faits en train de causer des dégâts. Au lieu de continuer à critiquer l'église, à dire le mal de l'église, nous, à Praxis, nous avons dit il nous faut une approche curative. Alors. Il faut curer le mal. Il faut résoudre le mal parce que nous avons la cure. Exactement. La cure, c'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu. Alors, nous nous sommes dit, mettons sur place, mettons sur pied une institution qui va avoir pour objectif de former quiconque voudrait venir s'asseoir et apprendre. Même ceux qui ont déjà appris peuvent revenir pour se rafraîchir la mémoire. Et c'est ouvert non seulement aux pasteurs. Praxis, c'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour les non-pasteurs. C'est pour quiconque s'intéresse à la vie chrétienne, qui est déjà chrétien, et même qui voudrait devenir chrétien. Même un musulman peut venir apprendre, parce que nous parlons de Christ là-bas. Donc ce cours-là, de christologie et homilétique, donc nous l'avons confectionné pour trouver cette intersection-là. Cette intersection entre la christologie et l'homilétique. Comment donc ça? Parce que quand vous lisez Luc chapitre 24, Jésus, au lendemain de sa résurrection, il rencontre deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il va leur poser la question, de quoi vous parlez, etc.
Et finalement, ils vont dire, mais toi, tu sais pas ce qui est en train de se passer, mais d'où viens-tu, etc. Et il dit, tu sais pas qu'il y avait un prophète ici, un grand homme, Jésus, un homme puissant en parole et en acte, tout ça, il a été arrêté et on l'a tué. On pensait que celui qui allait délivrer Israël. Alors maintenant, voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et Jésus a commencé à leur parler. La Bible dit, commençons par Moïse, c'est-à-dire par les livres écrits par Moïse dans la loi, dans l'Ancien Testament, Genèse, etc. Jusqu'au prophète, Jésus leur a démontré que le Christ devait d'abord souffrir avant d'entrer dans sa gloire et que tout l'Ancien Testament parlait de lui. Oui, exactement. Mais le miracle auquel nous assistons dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas que les aveugles voient et que les paralytiques marchent, mais c'est plutôt... Le même texte que Jésus a pris, a utilisé, et sur base duquel il a démontré que le texte ne parlait que de lui, nous les pasteurs, nous le prenons du haut de la chair, nous commençons à parler aux gens de leur Goliath de leur vie. Ben, tu as un Goliath, tu as un Goliath de ta vie. Aucun chrétien n'a un Goliath. Aucun chrétien n'a de Goliath. Le Goliath, c'était un ennemi national d'Israël. Un philistin qui s'est levé pour dire, sortez quelqu'un de vos rangs, je vais me battre avec lui. Ce n'était pas le Goliath de David. David est venu, comme qui dirait, par accident, sur la scène. Il était envoyé par son frère pour secourir ses frères. Et il voit cette scène odieuse. D'un homme aux allures gigantesques qui est en train de narguer le peuple de Dieu, d'insulter pratiquement le peuple de Dieu. Et il va dire, mais pourquoi vous pouvez laisser cet incirconcis en train d'insulter le peuple de Dieu, l'armée du Dieu Tout-Puissant? Laissez-moi l'affronter, je vais l'affronter. Vous voyez, donc c'était pas le Goliath de David, c'était le Goliath, d'Israël. Et David l'a rencontré dans son chemin. Pour le compte d'Israël. Et vous savez quoi? Et il l'a terrassé. Donc, on ne peut pas prendre ce texte-là et nous dire que non, tu as ton Goliath, tu as des Goliaths dans ta vie, on doit les renverser. Aucun chrétien n'a de Goliath. Nous n'avons pas de Goliath. Exactement. Nous avons Jésus qui a vaincu le Goliath de la vie de l'Église qui est Satan. Il a vaincu à la croix, c'est fini. Maintenant, nous devons jouir de cette victoire-là. Exactement. Nous ne devons pas personnaliser Goliath. C'est pour cela qu'un cours comme celui-là, Christologie et homilétique, ça va t'aider à comprendre où trouver Jésus dans les Écritures et comment le présenter. Et comment le présenter, voilà. Où trouver Jésus et comment le présenter. Il y a vraiment à boire et à manger. Hein. Il faut comprendre que le pasteur Baron, il est théologien. Il nous fait vraiment naviguer dans les Écritures, ce qui est vraiment Mais grâce, un avantage. Tu sais, en réalité, tout le monde est théologien. C'est en fait ce qu'on nous a fait croire dans l'Église, que non, il ne faut pas aller faire la théologie, tu n'as pas besoin de ça. En réalité, tout le monde est théologien. Théologie veut tout simplement dire théo, qui vient du grec théos, qui veut dire Dieu. Logie, donc qui vient de logia, qui veut dire science, donc la science de Dieu. Tout le monde étudie Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Tu ne peux pas le connaître sans l'étudier. Exactement. Tu peux l'étudier personnellement avec ta Bible. Donc tout le monde est théologien. Exactement. Mais seulement, il y en a qui vont à l'école pour faire cette théologie. Pour approfondir la connaissance. Yeah. Mais quand on est à l'église, on est théologien. Donc on arrête de dire cette histoire-là qui est en train d'abrutir les enfants de Dieu, c'est-à-dire que, et les empêcher de pouvoir s'améliorer et connaître mieux le Seigneur en disant, non, vous allez perdre le Saint-Esprit, oh non, la théologie là, c'est pas de Dieu, etc. Donc, c'est pas vrai. Ah, voilà, c'est pas vrai. Alors, nous avons tous besoin de practice alors. Et je vais déjà me presser pour poser la question, quelles sont les étapes empruntées pour s'enregistrer dans Praxis? Pour s'enregistrer à Praxis, d'abord, nous avons deux formes de contexte pour étudier à Praxis. Nous avons le contexte présentiel, c'est-à-dire on vient en présence, ce sont des sessions qu'on organise de façon rythmée, chaque 3 mois. Alors, pour s'enregistrer, d'ailleurs là, au moment où nous parlons, donc il y a une session qui commence ce lundi, le 1er février 2021. Et pour s'inscrire, si vous êtes sur place à Kinshasa, en présentiel,
Vous pouvez, vous allez à Cash Express, vous payez $50 parce que c'était à $25 jusqu'au 25 janvier. Maintenant, c'est passé à $50. Donc, vous payez vos $50 et puis on vous donne un bordereau de paiement. Okay. Ensuite, vous allez sur notre website www.gospelinfluence.org. Vous trouverez une fiche d'inscription, c'est-à-dire un formulaire d'inscription. Okay. Et bien, vous le remplacez, c'est tout. Et du coup, vous êtes inscrit à Praxis. Ça, c'est en présentiel. Okay. Mais nous venons aussi de mettre sur pied la possibilité online. Parce que nous avons reçu, ma soeur Grace, je vous assure qu'on a été agacés par des appels, pasteurs de Lubumbashi. Ça allait même être ma prochaine question. De Praxis, vous avez anticipé. Oh, ah bon? Vous m'avez déjà anticipé. Et pourtant, je ne suis pas prophète, je suis pasteur seulement. Voyons. Alors, ça venait de partout, du Canada, des États-Unis ici, de Seattle même, des gens. Mais pasteur, vous allez là-bas et nous autres. Voilà, Praxis est online maintenant. Mm-hmm. Vous pouvez suivre vos cours en ligne, qui sont des vidéos préenregistrées, mais avec possibilité aussi d'échanger avec les professeurs sur Zoom, etc. Et pour s'enregistrer sur Praxis Online, vous allez directement sur le web www.ecolepraxis.org. Okay. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver le cours et vous enregistrez, vous utilisez votre carte bancaire, au crédit ou de débit, vous enregistrez. Du coup, c'est tout. Vous êtes inscrit à Praxis. C'est et juste avec les $50. Oui, nous avons. Il y a d'autres frais à payer. Ouais, voilà. En tout cas, pour la session en présentiel, quand vous payez les $50, vous avez besoin de payer $30 qui vont couvrir les frais de syllabus, les supports que nous offrons. Et nous avons 4 cours, donc 4 syllabus différents. Okay. Et puis les frais liés à la cérémonie de collation pour ceux qui prennent le cours en présentiel à Kinshasa ou à Brazzaville. Ouais. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, quand vous payez le $50, nous avons une promotion pendant ce mois, cette session, ce mois de février. Et cette promotion est que vous payez $50, vous avez 4 cours. Okay. Mais en temps normal, un cours coûte $50. $50 par cours. Okay. Et c'est un cours intense avec des interros, avec des examens. Oh. Donc, et un cours fantastique parce que vous allez apprendre beaucoup. Et alors, parce que nous allons apprendre beaucoup, déjà, je vais demander à toutes ces personnes qui sont intéressées vraiment de sauter à l'opportunité, parce que avec Christ, nous allons d'ailleurs bénéficier plus que c'est que le peu d'argent que nous allons payer. Parce que moi, je me dis, c'est rien du tout. On a l'impression que $50, $30, tout ça. Mais à la fin du compte, nous avons beaucoup, nous recevons beaucoup de Praxis. Alors, j'aimerais bien savoir, pasteur, est-ce qu'à la fin, il y a un certificat ou bien un diplôme qui est remis à toutes ces personnes qui y prennent part? Tout à fait. Praxis a une vision de devenir une université. Wow. Une université où les gens peuvent prendre le cours en présentiel ou online. Okay. Et du coup, parce que l'Église, plutôt Praxis, vise la reformation de l'Église, nous avons 2 possibilités. Okay. Parce qu'à Praxis, c'est la flexibilité. Okay. Nous that's demandons good, that's even great. Absolutely, I know, right? So, à Praxis, nous vous invitons pas à la théologie. Nous vous amenons la théologie vers vous. Et nous l'insérons avec votre aide dans votre vie. Vous voyez? Dans votre programme du jour, etc. Donc et quand vous terminez, nous avons deux tracks ou 2 cursus. Okay. Voilà, je dirais le cursus séminaire, que nous l'appelons séminaire. Okay. Il a 3 et il a 6 modules. Et quand vous terminez, on vous donne un certificat. Okay. Un certificat. Mais à chaque fois que vous passez un module, on vous donne un certificat de participation. C'est pourquoi nous avons, par exemple, de cérémonie de collation, on remet des certificats à nos étudiants. Okay. Mais ceux qui sont en ligne, le deuxième cursus, c'est le cursus académique. Okay. C'est à vous de choisir. Vous venez comme pour décrocher un diplôme académique, ou vous venez, vous dites, moi je viens pour un certificat, ou quelqu'un peut dire, moi je n'ai
rien à voir avec ni certificat ni diplôme. Okay. Moi, je veux seulement prendre des cours et la connaissance. Okay. Vous êtes libre de faire, c'est comme vous voulez. Okay. Vous prenez un seul cours, même après un seul cours, vous dites non, moi je crois que celui-ci... Je m'arrête là. Vous êtes bien. Okay. Mais le problème, c'est celui-ci. À chaque cours que vous allez toucher, vous allez rencontrer Jésus dedans. Oh, wow. Parce que nous le présentons. Oh. Nous enfonçons le clou sur lui. Et plusieurs de nos étudiants qui viennent au cours, ils disent, mais vraiment, la plus grande découverte ici, c'est que j'ai découvert Jésus d'une autre manière. Et ça incite même d'aller prendre plus de cours. Alors. Justement, ça incite à prendre encore plus de cours. Parce que quand vous commencez, par exemple, avec la christologie et l'homilétique, mais c'est un cours qui vous bouscule. J'étais d'ailleurs béni par ça. Ouais, nous avons placé sur YouTube 10 vidéos d'une trentaine de minutes chacune, juste pour vous donner un test, donc un avant-goût. Mm-hmm. Voilà, à quoi ça ressemble. Donc les gens peuvent retrouver ça sur YouTube. Okay. Christologie homilétique avec Pasteur Barombala. Mm-hmm. Et ben voilà, donc practicez-la pour vous. Alors practicez-la pour vous. Practicez Oya Nakatavanda ku Nabino Ezo Memelabino Sangwa. Parce qu'on n'a pas besoin que nous puissions rester comme des aveugles en train de marcher, on ne sait même pas là où nous allons. Alors c'est accessible et surtout flexible à toute personne. Hein. Mm. On a dit, vous n'êtes pas obligé de prendre la session académique, vous pouvez prendre juste la section qui est comme une formation, c'est ça? Une formation séminaire. Il y a une formation séminaire, ou bien vous pouvez prendre juste un mois. Juste, donc, ça dépend d'une personne à une autre, mais ce que j'aime, c'est que le pasteur a dit, dans tout ce que vous allez prendre, vous allez rencontrer sûrement Jésus. Et c'est même l'objet de Praxis. Tout à fait. Alors, pasteur, nous touchons à notre fin. Est-ce que vous avez un message à annoncer à tout le peuple de Dieu qui nous suivent, et même ceux qui ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à Praxis? Oui, bien aimé mon Seigneur, c'est un plaisir pour moi et un privilège de vous adresser ce message. Je sais que nous traversons des temps extrêmement difficiles sur le plan global, sur le plan politique, sur le plan économique. Notre monde est secoué, sérieusement, nous devons l'avouer, en dehors même de cette crise sanitaire qui est en train de sévir. Mais cela provoque des secousses dans nos cœurs, dans nos convictions, et provoque des peurs et des craintes au-dedans de nous. Il est vrai, nous sommes vers la fin du temps, la fin de temps. La fin est en train d'approcher. Mais nous ne devons pas, pour ceux qui sont chrétiens, perdre l'espoir. Nous devons savoir qu'il a fait une prière. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, il a dit à son père, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder du monde, de le garder. Il nous veut dans ce monde et il a prié pour que son Père puisse nous garder et nous protéger. Et ça, c'est une prière que Dieu a exaucée. Tu sais, même si personne ne prie pour toi, sache que Jésus a prié pour toi. Et non seulement qu'il a prié pour toi, et même alors qu'il est maintenant, au moment où nous parlons, assis à la droite du Père, il est en train de prier, d'intercéder pour toi et moi. Il est l'intercesseur parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant tous ces troubles, toutes ces agitations dans notre monde? Ce qu'il nous faut, c'est de retourner au pied de la croix. C'est de retourner à l'évangile, à la pureté de l'évangile. Serviteur de Dieu, vous qui êtes là, vous appelez prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, que sais-je encore, nous avons une responsabilité. La responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile. Le monde a besoin de Jésus comme jamais avant à l'heure qu'il est. Tout ce sur quoi il s'appuyait, l'argent, les moyens, les études, et la famille autour d'eux, plus rien est stable, tout est devenu instable. Alors les gens ont besoin d'entendre la voix de Christ. Retournons à la pureté de l'évangile. Et c'est ça le but de Praxis. Nous ne vous amenons pas un autre évangile. Ce n'est pas une nouveauté que nous vous amenons. Nous vous amenons un appel au retour à cet évangile-là. Vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus, qui êtes encore en train d'hésiter, est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Ne mesure pas le christianisme par rapport à ce que tu vois dans le chef des autres chrétiens. Mesure la chrétienté ou le christianisme par rapport à la parole et donc par rapport à ce Jésus qui est décrit dans cette parole. Alors, je t'invite à considérer
retourner à Christ, à lire la Bible et à la mettre en pratique. Ne vous séduisez pas avec des raisonnements humains. Jésus revient bientôt et seuls ceux qui auront pratiqué sa parole le rencontreront. Car il a dit, dans les derniers jours, plusieurs viendront disant, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus dit, « Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connus. » Retournons à l'Évangile. Merci beaucoup. Alors, c'était là le pasteur Baron Baladan. Up close, il a bien dit avec sa toute dernière phrase, revenir à l'Évangile. Et bien évidemment, nous allons aussi avec moi nous séparer avec cette portion des Écritures qui dit dans Jean 14, 6, 9, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient par le Père sans passer par lui. Et si vous l'avez vu, vous avez également vu le Père. Cela nous dit qu'il nous est très important de retourner en Christ parce qu'il est la raison dans toute les saisons. Alors merci beaucoup pasteur Baron de disposer de votre temps. C'est moi qui vous remercie ma sœur Grâce. Vous avez été vraiment gracieuse vis-à-vis de moi. Merci beaucoup. Alors nous allons vous prendre congé et nous allons demander à toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées à Colombe Channel de bien vouloir s'il vous plaît d'aller vous abonner sur notre page Facebook qui est Colombe Channel et également sur notre page YouTube qui est Colombe Channel. Surtout n'oubliez pas de cliquer à la cloche de la notification pour être parmi les premières personnes à bien suivre nos diverses émissions. Pour aujourd'hui, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.